Et bonjour à tous, ici Epsilon21 pour une nouvelle vidéo sur la map de Sky Factory. Aujourd'hui, on est en compagnie de Tim Allen, Asgir et Kenjis. Mais je fais cette petite intro pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer, parce que la vidéo démarre très rapidement, j'ai perdu une partie du record. Donc je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui va se passer dans la suite. Donc, ce qu'on a fait, tout simplement, c'est créer un portail vers la Deep Dark Forest. Donc, la Deep Dark Forest, qu'est-ce que c'est? C'est un monde qui est généré. Donc, c'est un monde à part du void dans lequel on se trouve. Et avec ce monde, on peut se téléporter grâce à un bloc. Et dans ce monde, on a énormément de cobble, on a énormément de ressources. Donc, grâce à ce monde, en fait, on n'était plus obligé de farmer les différents minerais via de la terre, via du sable et ce genre de choses. Donc c'était vraiment un truc tout à fait nouveau, on était tout fou et tout ça. Donc voilà, il faut savoir que en fait ce bloc est extrêmement long à construire. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récolté pas moins de... Attendez, je vais essayer de fractionner ça. 387 420 489 blocs de cobblestone. On a réuni tous ces blocs de cobblestone en un seul bloc, donc on a fait des compressed de cobblestone une fois, deux fois, trois fois, jusque neuf fois. Donc on en a réuni 387 420 489. C'est énorme les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme comme chiffre. Et c'est fou, c'est totalement fou, et on est resté AFK des jours et des jours et des jours et des jours pour avoir ce bloc qui nous permettait d'accéder à un monde totalement nouveau. Donc le principe tout simple, faire un clic droit pour se téléporter dans le nouveau monde. Donc voilà, je vous laisse à la vidéo. J'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage. Et nous y voici, enfin nous pouvons aller dans la Deep Dark Forest. Donc, oula, j'ai un cheveu sur la langue. Ce qu'il faut savoir sur cette Deep Dark, c'est que lorsque vous vous baladez dedans, que vous êtes dans l'ombre, vous vous faites attaquer, donc vous perdez de la vie. Donc n'hésitez pas à prendre énormément de torches. Pour vous balader ici. Donc, comme vous pouvez le voir, on a déjà un petit peu exploré. Et oui, on s'est rendu compte. Enfin, j'étais presque pratiquement sûr et certain du fait que le monde allait prendre énormément de ressources. Et effectivement, si on est plus que deux sur ce monde-ci, ça va commencer à laguer quelque chose de ouf. Donc voilà. Deuxième chose. Donc, comme vous savez, le noir nous fait perdre des dégâts. La deuxième chose, c'est que entre la couche, attendez, on va regarder ça tout de suite. Entre la couche 82 et la couche 137, enfin 138 plutôt, il y a un espace de vide. Donc ne creusez pas au-dessous de vous comme c'est pas possible. Et du coup, vous tomberez. Donc ici, nous, on a utilisé le jetpack pour descendre tranquillement. Et on a commencé à miner. Donc si vous pouvez le voir, ça c'est l'ancien système. Moi j'ai refait un tout beau chemin ici dedans. Enfin tout beau, juste de quoi passer, être sécurisé, assez éclairé. Donc j'ai un petit peu vous montrer ce qui est possible d'avoir. Donc déjà il y a l'andésite, la diorite et le granit de Chisel 2. De Chisel 2, donc ça c'est quelque chose que vous pourrez utiliser pour la décoration. Il y a le marbre, il y a aussi du calcaire. Attendez, je vais essayer de le retrouver, le calcaire. Normalement il est juste à la surface ici, enfin à la surface, à la couche 80, etc. Ah voilà, calcaire, donc plus ou moins dans ces couches-ci le calcaire, en même temps que la diorite. Tout en dessous, il y a vraiment plus rien. Il n'y a plus de diorite, il n'y a plus de granit, il n'y a plus d'andésite. Il y a juste les minerais. Donc ce que je vous conseille, c'est un peu comme une map normale. Pour avoir du diamant, faut descendre. Donc on a descendu, tout simplement. Et j'espère que j'aurai assez d'énergie dans mon jetpack pour remonter par la suite. Alors, F3, activation du jetpack.
Donc, désactivation du jetpack. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut trouver toutes sortes de roches. Et alors, nous, notre système, il est très simple. Oula, ça lag. Alors, comme vous pouvez le voir, Asgir, quand il creuse... Coucou, Asgir. Quand il creuse de par 3. Grâce à sa hache. Donc, c'est... Je sais plus comment ça s'appelle, sa hache. Mais ça lui permet de creuser de par 3. Donc on a un peu de tout, plein de minerais différents. Je ne saurais pas tous vous les citer parce qu'à mon avis, il y a des minerais qui sont encore plus rares que le diamant ici. C'est justement ce que Asgir est en train de chercher. Donc voilà un peu la liste de tout ce que j'ai pu récolter en une heure sur cette map. Enfin, j'ai fait 3 galeries, donc ces 3-là. Les unes à côté des autres et j'ai récolté ça quoi. Donc qu'est-ce que j'ai récolté? J'ai récolté de la ferrous or, très 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 rare, j'en ai récolté que 5, de la yellerite or, là j'en ai à demi stack, du tin or à demi stack aussi, du minerai de quartz certus, donc ça c'est apparemment ce que Asgir est en train de chercher, mais il cherche du minerai de quartz de certus chargé. Du cinabre, du minerai de fer, un stack, c'est bien, du silver or, un stack, un quart, de l'aluminium or, très rare aussi, un peu comme le ferrous or. Maintenant, on a tout un système de production avec les seeds, donc là, ça va, c'est pas encore trop, trop grave. Bah, du minerai d'or, un demi-stack, bon, bah, là non plus, c'est pas grave, on va dans le nether, on récupère toutes les pépites, toutes les épées, on les fait fondre dans la Tinker Construct, enfin, dans la fonderie Tinker Construct, et bah moi on a de l'or à gogo quoi, et même les armures de chevaux en fer et en or peuvent être fondues là dedans, donc c'est pas dramatique. Quelques stacks de lapis, beaucoup de stacks de redstone, du charbon, un peu de diamant, voilà. J'ai aussi ramené toute la pierre, j'en avais pour énormément, donc bah voilà, ça c'est vraiment à vous de voir ce qui vous semble prioritaire. Hop, je vais remonter. J'espère que j'aurai assez d'énergie. Et je suis pas sur le bon côté, je crois. Où est la sortie? Ah, voilà. Elle est juste ici. Elle est juste là. Ah non, c'est pas vrai. J'ai plus rien dans mon jetpack. Moi je fais que récolter le bois. En mode exploration dans la Deep Dark, on trouve ce genre de truc là, c'est vraiment cool hein. Ouais, Et par contre moi quand je vais dans ta bazar de vin, je prends rien du tout. Bazar de vin. Ouais. Bah la vigne mauve là dehors. Ah ouais, tu la récupères pas, ouais, non. Non, c'est pas ça que je veux dire, c'est. Quelqu'un des torts, je me fais défoncer. T'as qu'à poser des torches, merde. J'ai dit que t'en avais pris avec. Non, j'ai pas pris. Moi j'ai pris des torches. Oui, j'en ai pris. Ah, okay. Bah j'ai clair là. Défoncé par le machin, le truc qui te défonce à chaque fois au sol quand tu sais pas comment. Tu sais pas comment, mais ça te défonce. Et je t'aurais cassé tous les blocs autour du donjon en plus. Pour casser le coffre. Donc on pète tout le truc en fait. Bah tout, je sais pas, mais... Toi, ton marteau, c'est ça? Oui. Mais en fait, je fais... C'est pas vrai. Ouais. Moi, je fais que de l'échantillonnage. On peut l'avoir facilement, la bonne, ça, je pense. Torche. Mais viens prendre un truc de torche, j'ai dit que j'en avais. De l'autre côté, reviens, de l'autre côté. Ça va, c'est bon, c'était un zombie. Si, c'était un zombie qui me tapait. Mais d'habitude c'est peut-être méchant. En fait moi il faut peut-être que je fasse équiper ma nouvelle épée. Mais si tu mets une torche, t'auras plus de zombies. Vous voulez que je torche ou vous voulez pas que je torche? Vous décidez les gars hein. Je veux des zombies. Non, je veux. Oui, je veux. Dire s'il vous plaît, ça marche aussi. Non, parce que j'ai enlevé les dents. Je voulais des zombies. Pas s'il vous plaît. Le spawner, il le fait très bien pour moi. J'ai pas besoin de dire s'il vous plaît.
Aïe aïe. Ouais, je te vois la doigt bonne récupère, moi je pense que je suis full. Et dans ton sac, tu peux pas mettre? Full aussi, mais de cobble. Et par contre, Tia, donne-moi un stack de ce que tu veux et moi je te donne un stack de torches, comme ça tu peux torcher derrière toi. Et j'ai trouvé un broken spawner. Ouais, bah oui, il est sur ma tombe. Nickel. Bon, déjà, ça ne se stack pas. Ça, c'est un stack complet. Ça, c'est un stack complet. Ça ne se stack pas non plus. N'oublie pas de torcher par terre, Quentin. Mais ça a 10 millions d'étages, ce truc. Ouais, quand même. Bane of Anthropods, super. Ouais. Thibaut, tu viens sur Skype? Ouais, en fonction de ce que tu tapes, ça donne des trucs, hein. Ça donne des bonus en fonction de ce que tu tapes. Ben, je viens de taper que des... J'ai farmé le truc sur des zombies, ça m'a donné Bane of Anthropods. Bah, les bénéfices robots, c'est pas pour les zombies. Ah non, c'est pour les araignées. Pour les araignées. Ouais. Coucou le zombie. Salut. Bon, j'en ai marre de vous voir. Salut. Je vais venir avec toi, on est en train de détruire une forteresse. Ça va pas laguer si on sera à 4 dans la Deep Dark. Ah ouais. Bah, de toute façon, moi je vais rentrer. Ah, ok. Dans la forteresse. Bah, on a trouvé une forteresse, on l'explore en mode tranquille. On la casse et tout ça. Forteresse dans la Deep Dark? Ouais. Énorme. Okay. Ouais. En fait, je me balade dans la Deep Dark depuis quelques temps et je fous ma night vision. Du coup, bah. Du coup, il s'automutile, hein? Parce qu'il prend plein de dégâts, mais il s'en fout. Mais non, mais d'habitude, je prends pas de dégâts, c'est. Parce que ça m'arrive de ne pas prendre de dégâts en fait. Quand j'ai crash, je prends des dégâts. Mais sinon, je prends pas trop de dégâts. Et les plantes corrompues. Ah oui, ok. Ah oui, d'accord. C'est les plantes corrompues qui alimentent les vignes. Mais on sait pas les récolter, les plantes corrompues. Non, non, non. Ouais, je sais pas, avec on ça, sait non. Pas récolter, on sait pas récolter, ben pas avec ça. Moi, okay. J'ai une ten. Ah, qu'est-ce que tu fais maintenant? Je vole. Allez, casse-toi. Par contre, on revient par où en fait? Ah oui. Je sais pas. Voilà. Je me prends de ces dégâts, je perds la moitié de ma vie. What? Y a quelqu'un qui m'attaque? Acoustique? Ah oui, c'est un type. Putain, il m'a fait peur, je me dis c'est quoi ce bordel? Wouah, plein d'araignées! Ok, je me casse. Punaise, il m'a fait peur. C'est quoi cette connerie? Je crois que c'est le premier qu'on a croisé en vidéo acoustique. Ouais. Je ne fais que visiter, moi. Ouais, bien sûr. Et je vous ai apporté des torches. Tu devrais juste me dire merci au lieu de me critiquer. Non, enfin. C'est toi qui me connais d'autres. Bah ouais, mais bon. Tac, 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 tac. Couvert une nouvelle. Forteresse du Nether, donc on va aller la visiter, mais cette fois ce sera beaucoup plus sécurisant vu que nous serons 4 donc voilà.